Voilà, nous venons d'être reçus par son Excellence Monsieur le Premier ministre avec la présence de Monsieur Rachid, le ministre des Affaires économiques. Nous, nous sommes les banques de fonds arabes, c'est la Banque arabe de développement économique en Afrique, le Fonds de développement, le Fonds coétien de développement, avec nous la Banque ouest-africaine de développement. Nous avons discuté sur le projet en cours, nous sommes là pour évaluer le grand projet qui lie le Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana. C'est le tronçon Bona-Doropo aux frontières de Burkina Faso et le tronçon qui lie Bona-Ghana, donc une collection de 11 km. Nous avons évalué le projet, nous avons ficelé le projet, nous avons communiqué toutes ces informations sans exception sur le Premier ministre. Le deuxième sujet, nous avons profité de l'occasion pour faire une revue des projets de la coopération de la Côte d'Ivoire. Nous avons remercié les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire d'avoir accepté d'organiser, de recevoir le conseil d'administration de l'APADI en mars dernier, ici chez vous. C'est la première fois qu'on conseille de la Banque arabe de développement économique se passe à l'extérieur du monde arabe. C'était l'Abidjan, donc ça fait que renforcer la coopération entre le monde arabe et la Côte d'Ivoire. Nous avons profité de l'occasion aussi pour parler de l'autoroute du Nord, qui est un grand projet qui est en voie d'achèvement. C'est un projet qui fait 100 km entre Saint-Groux et Moussoukro, donc il est en voie de finition. Et nous avons transmis le message fort que le projet est en train de se réaliser dans les règles de l'art, sur le plan technique, sur le plan financier. Un projet qui ne coûte pas trop cher, c'est un projet ordinaire qui coûte comme toutes les autres au monde. Et bientôt, vous serez vous-même, lorsque vous allez emprunter dans quelques mois ce projet, vous serez vraiment satisfait sur le plan circulation, sur le plan sécurité routière. C'est un projet qui va offrir toutes les conditions de confort et de sécurité. Et ce sera une fierté pour le peuple ivoirien.